Bonjour, je suis Salomé. Et moi, Maxime. On vous invite à faire l'expérience d'une visite virtuelle en immersion 360 degrés de notre école, le Collège Saint-Charles-Garnier, comme si vous y étiez. Pour y explorer tous les angles de vue autour de vous, en utilisant des lunettes de réalité virtuelle ou simplement votre téléphone cellulaire, en variant la direction de l'écran ou en balayant l'image avec votre doigt. Et si vous êtes à l'ordinateur, en déplaçant le curseur de la souris. Place à la visite! Bonjour et bienvenue au Collège Saint-Charles-Garnier. Mon nom est Maria Estévez et je serai votre guide durant la visite. Saviez-vous que le Collège Saint-Charles-Garnier a été fondé en 1635 par les Jésuites? Il a été le premier collège francophone en Amérique du Nord. Allons découvrir toutes les possibilités qu'il vous offre. Suivez-moi. Les cours débutent à 8h30 et se terminent à 15h32. Vous aurez 4 périodes de 72 minutes plus une période d'études obligatoire d'une durée de 25 minutes qui est supervisée soit avant ou après la période du dîner. Le quatrième étage est réservé aux premières secondaires. Vous y retrouverez vos casiers, vos locaux ainsi que le bureau de vos enseignants. Comme ça, c'est facile de s'y retrouver. Buenos días, señor Medard. Good morning, Mrs. Tevez. Est-ce que vous nous parlez des langues? Bien sûr. Comme vous le savez, au collège, on offre deux programmes d'anglais. Le programme enrichi, qui est le plus élevé du ministère, et évidemment l'immersion anglaise. Donc, qu'est-ce que c'est ça, l'immersion anglaise? Bien, premièrement, c'est un programme qui est offert à tous. Peu importe le profil qu'on va choisir, que ce soit basketball, danse, science, etc., on peut toujours faire l'immersion anglaise en parallèle. L'un n'empêche pas l'autre. Deuxièmement, c'est sûrement le point le plus important, c'est cette fameuse journée immersion. Donc, sur un cycle de 10 jours, il y a 8 périodes en anglais, en première secondaire, et 4 de ces périodes-là sont la même journée. Donc, ce qui nous donne une journée en anglais complet. Qu'est-ce qu'on fait dans ces journées-là? Bien évidemment, on est souvent en sortie scolaire et en activité. Donc, ce qui nous permet de mettre l'emphase sur l'anglais parlé, on croit que c'est la meilleure façon de développer la langue. C'est vraiment génial. Ensuite, à chaque année, on a la chance d'avoir un assistant de langue du Royaume-Uni qui vient nous donner un bon coup de main dans la classe et qui va aussi animer le salon international, qui est une autre façon pour les jeunes d'aller parler l'anglais sur l'heure du dîner. Les élèves ont aussi la chance de participer à des échanges au Canada anglais et au voyage en Angleterre. Oh, intéressant! Et pour terminer, bien, la grande majorité de nos élèves qui vont faire le programme immersion en première, deuxième et troisième secondaire vont poursuivre en ILE, anglais langue maternelle, en quatrième et en cinquième. Pour le français, on a un programme très étoffé au niveau culturel. En fin de parcours, en cinquième secondaire, les élèves auront lu plus de 35 romans et auront assisté à une dizaine de pièces de théâtre. Y también está el programa de español, ¿verdad? Évidemment. La deuxième langue la plus importante, l'espagnol, sur la planète. Donc, dès la première secondaire, on offre des ateliers de conversation sur l'heure du dîner. Et les cours obligatoires sont offerts en troisième et quatrième secondaire. Et ces cours sont donnés par nul autre que Mme Estévez. Et ensuite, bien, les élèves ont la chance de participer à un voyage en Espagne et aussi un échange au Mexique. Muchas gracias, señor Medard. You're welcome. Adios. Alors, en résumé, vous avez trois choix à faire. Le premier concerne l'anglais, comme nous l'a expliqué M. Medard, soit enrichi, soit immersion. Le deuxième, c'est que le collège vous propose 11 profils différents dans 4 domaines. Découverte sur le monde, art, sciences et sport. Vous avez aussi 3 formes d'art, art plastique, musique et art dramatique. Tous ces choix sont inscrits à votre horaire. Ils sont modifiables chaque année et ce, de la première à la quatrième secondaire. Bonjour, M. Bayrault. Bonjour, Mme Estévez. Ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, bienvenue en sciences. Merci beaucoup. Si vous nous parliez des sciences au collège. Bien, saviez-vous qu'au secondaire, les cours de sciences sont obligatoires de la première à la quatrième année? Et même qu'en cinquième secondaire, vous pouvez vous inscrire en chimie ou en physique. Au collège, nous sommes vraiment choyés pour enseigner les sciences. On dispose de 4 grandes classes laboratoires qui nous permettent de passer de la théorie à la pratique, avec plein de matériel qui nous permettent de réaliser plein d'expériences scientifiques. On a aussi un local dédié à la robotique et un atelier avec plein de machines-outils qui nous permettent de construire et d'analyser des objets pour développer des compétences en ingénierie. D'ailleurs, en première secondaire, vous allez toucher à l'ingénierie, mais aussi à de l'astronomie, à de l'écologie, à de la chimie, et j'en passe.
Et si jamais on est un mordu de sciences? Pour les mordus de sciences, il y a le profil sciences. Dans ce profil, vous allez réaliser encore plus d'expériences scientifiques, mais vous allez aussi toucher à des domaines de pointe comme la virologie, la bactériologie, l'informatique, la photonique, l'optique, et j'en passe. D'ailleurs, la Faculté des sciences et génie de l'Université Laval et la boîte à sciences sont des partenaires de notre profil sciences. Ça nous permet d'avoir accès à des laboratoires encore plus spécialisés, à des ateliers, à des conférences vraiment intéressantes. On a aussi le profil robotique. Dans ce profil, ce sont vraiment les robots et la programmation qui sont mis de l'avant. D'ailleurs, au collège, on possède plein de robots Lego EV3 que vous allez apprendre à programmer et à construire. On va vous proposer plein de défis, plus ou moins complexes, et ce sont vos programmes qui vont permettre de pouvoir relever ces défis. Et si j'ai envie de faire des sciences, mais en dehors des cours? Ah bien, il y a des activités parascolaires scientifiques au collège. Je vous donne un exemple. Première secondaire, on offre notamment un stage scientifique à l'île aux Basques. Vous vous rendez sur cette île durant une longue fin de semaine, puis vous participez activement à la sauvegarde de la faune et de la flore sur cette belle île. En fait, au collège, les sciences prennent une place très importante et nous en sommes vraiment fiers. Bien, merci beaucoup, M. Véro. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Bienvenue à la médiathèque. Comme vous pouvez le voir, nous sommes entourés de livres. Les livres, les cahiers, les manuels sont très importants au collège. Cependant, chaque élève doit posséder son outil technologique. Que ce soit un PC, un Mac, une tablette Android ou un iPad, vous devez l'avoir tous les jours dans toutes vos classes. Les locaux sont tous équipés d'un tableau interactif et nous travaillons tous avec la suite de Google Éducation. Ceci nous permet de travailler en réseau autant au collège qu'à la maison. Pour les parents, si vous désirez rester en contact avec l'équipe école ou avec le tuteur, vous avez accès au portail pédagogique. Tuteur, pourquoi? Parce que chaque élève de la première à la cinquième secondaire a un tuteur. Si vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le site web du collège. Ici, nous sommes à la Galerie d'art Garnier, la GAG. Les élèves qui font des arts visuels, que ce soit en profil, en cours ou en parascolaire, sont responsables de l'organisation de A à Z de toutes les expositions et vernissages. C'est ainsi qu'ils mettent en lumière leurs projets et permettent aux parents de les voir. Je suis présentement à la cafétéria. Comment se déroulent les heures du dîner au collège? Eh bien, sur deux périodes différentes. Première et deuxième secondaire, qui bénéficient de la cafétéria pour eux tout seuls, ainsi que des nombreuses activités offertes sur l'heure du dîner. Ensuite, troisième, quatrième et cinquième secondaire. La cafétéria vous offre un menu varié et équilibré et la possibilité de vous acheter une petite carte CAF que vous rechargerez au besoin. Si vous le désirez, vous pouvez aussi apporter votre repas de la maison. Voici la salle Fidji, un endroit récréatif où vous pouvez venir jouer au ping-pong, jaser avec les amis ou bien participer à des activités organisées pour la Saint-Valentin, Halloween et même la semaine interculturelle. Ici, c'est le salon des élèves, un espace de vie agréable, supervisé en tout temps par l'accueil, où les élèves peuvent venir travailler, dîner, attendre les parents après les cours et même lors de leur pratique sportive. Nous allons rejoindre M. David Clouet-Côté, qui est responsable de la vie scolaire. Bonjour! Bonjour! Ça va bien? Ça va super bien, merci. Si vous nous parlez de la vie scolaire au collège. Mais d'abord, saviez-vous qu'au collège, on offre plus de 80 activités aux élèves. En plus des 10 programmes sportifs interscolaires, s'ajoute à ça un programme d'improvisation étoffé, du théâtre, de la scénographie, des comités d'élèves, des activités en engagement communautaire, des voyages culturels, sportifs et un voyage d'initiation à la coopération internationale. Alors, vous pouvez consulter d'ailleurs toute la liste des activités sur le site web du collège dans la section « Vivre ». Aussi, dès qu'on arrive en première secondaire, dès la première journée, l'équipe de vie étudiante prend en charge les temps libres. Donc, sur l'heure du dîner, il va y avoir des activités de groupe pour apprendre à mieux se connaître. Et à la fin de cette première semaine, c'est le camp d'intégration Trois Saumons. Alors, deux jours, un dodo, plein d'activités pour se connaître, et ça, c'est animé par des cinquièmes secondaires. Ce groupe de cinquièmes secondaires, on les appelle les pères aidants, et ils restent disponibles toute l'année pour répondre aux questions, mais être aussi des gens significatifs pour les élèves.
En résumé, ça bouge beaucoup au collège. Le matin, le midi, le soir, même les fins de semaine. Ça a l'air vraiment passionnant. C'est passionnant, effectivement. Merci. Nous, on va continuer notre visite. Ce magnifique endroit ensoleillé est votre entrée, l'entrée des élèves. Et c'est M. Paul Bois et son flamboyant sourire qui vous accueillent. Et si jamais vous arrivez en retard, c'est aussi à lui que vous aurez affaire. Le collège est ouvert tous les jours dès 7h le matin et ce jusqu'à 17h30. Bien sûr, il y a une surveillance qui s'effectue durant toute cette période. J'ai aussi une petite confidence à vous faire. Nous avons 2 semaines de congé. Bien sûr, celle du mois de mars, la semaine de relâche que tout le monde connaît, mais au collège, nous avons également une semaine au mois de novembre, la semaine de répit. Comment c'est possible? Eh bien, nous cumulons tout au long de l'année des petites minutes, ce qui fait en sorte qu'au mois de novembre, on peut s'offrir ce beau répit. Petit tour à l'extérieur. Voici l'Agora, le nouvel espace agréable qui s'ajoute au Jardin des Pères, notre boisé à l'avant, pour profiter des beaux jours. Vous voyez les wagons de train, au nom de nos équipes sportives L'Express? Ils servent de vestiaire pour le football. À l'arrière, ce sont nos terrains de football et de soccer. Au collège, vous pouvez aussi pratiquer l'ultimate frisbee et le rugby féminin. Je suis maintenant avec Mme Véronique Moisan, qui est enseignante en éducation physique. Bonjour. Bonjour. Mme Moisan, pouvez-vous nous parler d'offres sportives? Je pense qu'elle est très complète au collège. Certainement. Alors, commençons avec nos plateaux sportifs. Tout d'abord, nous avons 2 terrains extérieurs sur gazon naturel, un de soccer et un de football. À l'intérieur, nous avons 2 magnifiques gymnases qui viennent tout juste de se refaire une beauté et une salle de conditionnement physique. Dès 17h, nous avons même un 3e plateau pour nous donner des heures additionnelles pour nos équipes interscolaires. Pour bouger au Collège Saint-Charles-Garnier, il y a plein de façons de le faire. Tout d'abord, le collège offre 2 matins sport de 7h à 8h pour venir pratiquer notre sport préféré de façon libre, mais encadrée par un surveillant. Sur les heures de dîner, rien de mieux que de se rassembler entre amis pour se lancer quelques ballons, puisque nos gymnases sont toujours ouverts à chaque jour. Sur les heures de cours, 2 périodes d'éducation physique pour tout le monde, mais possibilité d'ajouter 4 périodes de sport si on prend un profil sportif. Comme choix, nous avons le soccer, le basketball et le golf en partenariat avec le Club de golf Royal Québec. Vous n'en avez pas eu assez, hein? On continue après les cours avec nos équipes interscolaires. Selon le moment de l'année, l'offre des sports va changer. À l'automne, on commence avec le football, le cross-country et le soccer. On rentre à l'intérieur pour le badminton, le basketball, le volleyball et le futsal en hiver. Et finalement, on termine au printemps avec l'athlétisme, le rugby féminin et l'ultimate frisbee. On n'en a pas eu encore assez. Il y a encore d'autres projets tels Filles Actives, le Grand défi Pierre Lavoie, le Pentathlon des neiges et notre fameuse course Terry Fox. Et si je veux vraiment bouger, puis des profils, comment ça fonctionne avec les profils? Il y a une chose qui est importante à souvenir, c'est que même si j'ai pris le profil, par exemple, de soccer, je ne suis pas obligée de faire du soccer interscolaire. Je pourrais aller prendre un autre choix de sport, comme le basketball, l'ultimate et autres. C'est très intéressant. Il y a vraiment une très belle offre. Je vous remercie beaucoup. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes sur une mezzanine. Cette mezzanine a été aménagée afin que les élèves puissent venir se reposer, jaser avec les amis sur l'heure du midi, le soir. Mais c'est aussi un très beau point de vue lorsqu'il y a des matchs sportifs en soirée. Bonjour, M. Bélanger. Bonjour, Mme Estévez. Comment allez-vous? Ça va bien vous-même? Ça va très bien, merci. Si vous nous parliez de l'endroit où on se trouve? Bien, vous êtes présentement dans mon local, le local de musique. Et dites-moi donc, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelle est l'offre artistique au collège? Oui, bien sûr. Donc, au collège, c'est simple, vous devez choisir obligatoirement 3 formes d'art, soit l'art plastique, l'art dramatique ou bien la musique. Et à combien de périodes par cycle? 2 périodes par cycle de 10 jours. Néanmoins, quelqu'un qui voudrait en faire plus peut choisir parmi un de nos 5 profils artistiques, c'est-à-dire soit l'art visuel, le théâtre, la musique, le chant ou la danse. Et si jamais on est dans un autre profil,
Est-ce qu'on peut faire aussi de l'art? Oui, bien sûr. En parascolaire, on a une belle offre artistique. Vous avez le choix entre la gestion de la galerie d'art, les ateliers de photos et vidéos. Vous avez aussi la troupe de théâtre. Et en musique, vous avez une panoplie d'activités comme l'harmonie, le marching band, la drumline et aussi des cours privés en piano, guitare, violon et même le chant. Merci beaucoup, M. Bélanger. Ça fait plaisir. Wow, c'est vraiment beaucoup de choix. On continue. C'est vrai, on a tellement d'opportunités au collège. Et mon coup de cœur dans tout ça, c'est d'avoir le privilège d'avoir cette salle extraordinaire, la salle Jean-Paul Tardy, pour mettre nos talents en valeur. Nous l'utilisons pour les représentations théâtrales, les conférences, les spectacles, lors des activités pédagogiques et les galas. Les élèves du profil artistique y ont même accès dans le cadre de leurs cours. Et c'est ici aussi qu'on vous remettra votre diplôme d'excellence Saint-Charles-Garnier, affectueusement nommé le DESCG. Ce diplôme reconnaît la réussite pédagogique et surtout l'implication de l'élève au sein de la vie du collège. Il est décerné en 5e secondaire. Le DESCG est au cœur de notre projet pédagogique et de notre mission. Pendant la visite, nous avons vu que le collège offre une multitude d'activités variées. On sait aussi que les élèves, au début du secondaire, sont portés tout naturellement vers des activités dans lesquelles ils se sentent à l'aise. Or, l'objectif du DESCG est de vous permettre de varier vos champs d'intérêt et de développer vos talents et vos passions. Voilà, c'est ce qui termine la visite du collège. J'espère que vous avez apprécié. Au plaisir de vous voir bientôt.